Voilà, chers téléspectateurs, amis fidèles d'EDER TV, nous revoici encore devant vous, encore une fois de plus. Merci à vous qui avez l'habitude de nous suivre. Merci beaucoup pour vos remarques, merci beaucoup pour vos conseils. Cela nous permet quand même de plusieurs nous améliorer du jour au lendemain. Alors, je rends grâce à notre Dieu pour nous avoir accordé encore le souffle de vie en ces jours et d'avoir permis encore que nous puissions recevoir sur ces plateaux des Alpha Omega le pasteur Kiala Ntona. Bonjour papa. Bonjour. Et c'est moi Okuta Analysus Namkona Lelo, en tout cas Napamboli Nzambe, et je vous remercie vraiment pour votre présence et d'avoir accepté cette invitation. Si je peux rappeler au peuple de Dieu, donc le pasteur Kiala nous a dit pour la première émission par où il est passé, d'où il est venu, comment il a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur au travers de sa femme. Donc on avait oublié de signaler que le pasteur Kiala est marié, donc quand il a parlé de sa femme, on a tout compris et on a parlé de ces grands thèmes, le prédicateur, sa vie et les dangers qui le guettent. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va aborder la deuxième partie de tout ce qui guette les serviteurs de Dieu. Mais j'allais poser une question, pasteur. Quand vous avez parlé la première fois, vous avez expliqué quand même comment est-ce que le pasteur ou un prédicateur, je crois qu'ici, quand vous parlez de prédicateur, ce n'est pas que le pasteur. Il y a les ministres de Dieu, selon Éphésiens 4:11. Il faut ajouter également les anciens aussi. Les anciens, donc tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Un frère peut ou ne pas être aussi ancien, mais il peut aussi avoir une... Il peut aussi prêcher. Donc, voilà. Cela est important de signifier qu'il n'y a pas que le ministre de Dieu, mais souvent ce sont les ministres de Dieu et les anciens. Mais des fois aussi, on peut avoir un frère qui a reçu cet appel de Dieu et partage la parole de Dieu avec les autres. Et alors, quand vous avez dit que le prédicateur, donc en général, comme vous venez d'expliquer, doit parler de la part de Dieu, qu'en dites-vous alors des prédicateurs qui donnent l'exemple de leur vie privée pendant la prédication? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça a vraiment un sens de pouvoir, je pense que la parole de Dieu, tous les exemples que nous avons dans la Bible, de Moïse, d'Abraham et tout ça, je crois que cela suffit quand même pour pouvoir donner des exemples pour faire comprendre le peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'un prédicateur qui parle pendant la prédication, qui donne des exemples par rapport à sa vie privée, par rapport à sa vie de famille? Si c'est par exemple pour élucider, pour insister sur un fait qu'il est en train d'annoncer, il veut donner une illustration, alors il utilise, n'est-ce pas, sa vie privée, lors, n'est-ce pas, de sa prédication, ce n'est pas vraiment un problème. Mais on parle plus de sa vie privée quand on fait, n'est-ce pas, un témoignage. Là, on parle de la vie avant de recevoir Jésus, de la vie pendant que vous avez reçu Jésus, et de la vie après avoir reçu Jésus. Mais ce n'est pas en tout cas mal de donner son exemple pendant la prédication. Si cet exemple-là va édifier le peuple de Dieu, je crois que ce n'est pas un problème. Ça va. Merci beaucoup, papa. Je vais vous laisser, comme on a vraiment beaucoup à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous laisser alors la liberté de continuer avec nous pour cette deuxième partie des dangers qui guettent le prédicateur. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais donc enchaîner avec ce thème. Nous avions déjà, aujourd'hui, nous allons parler plus des dangers qui guettent les prédicateurs. Nous avions, lors de l'émission passée, introduit déjà le premier danger, c'était l'orgueil. Aujourd'hui, nous allons continuer en disant le deuxième danger, c'est la jalousie. La jalousie est proche aussi de l'orgueil. Donc, il faut vraiment éloigner la jalousie dans ton ministère, dans ta vie de prédicateur. Ce n'est pas bon. Lorsque Dieu bénit ton frère, tu dois le bénir également. Il ne faut pas être jaloux. La jalousie va t'amener à détester, à haïr ton collègue, ton prochain, ton ami et tout ça, et surtout comme nous parlons de prédicateurs, donc tes collègues prédicateurs. Vous savez, il y a un pasteur qui avait une église qui contenait 300 membres, et à côté de son église, il y avait une autre plus grande qui avait 1000 membres. Et ce pasteur-là, il était jaloux
quand par exemple un membre venait lui rencontrer pour lui dire voilà, je viens à l'église, mais je cherche l'église, je donne un exemple, par exemple, l'église Eder de Liège. Au lieu qu'il lui montre, n'est-ce pas, cette église, il va lui dire oh non, c'est la même église que celle que vous cherchez là. Vous voyez, et finalement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a cette assemblée-là ne croissait pas, au contraire, décroissait. Et l'autre église-là qu'il a hissé continuait à croître, jusqu'au moment où un jour, dans son sommeil, le Seigneur lui a dit, ne fais plus ce que tu fais là. Lorsque moi je bénis quelqu'un, tu dois le bénir. Selon qu'il est écrit dans Genèse 12, 3, là notre Dieu nous parle d'Abraham. Il lui dit ce qui suit. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc lorsque Dieu bénit quelqu'un, bénit un prédicateur, bien aimé, il faut le bénir aussi. Et il ne faut pas entrer en conflit, il ne faut pas vraiment créer de problème avec cet homme-là, parce que tu risques de subir la malédiction dans ta vie. Et alors, le test de la jalousie pour savoir que tu es jaloux, je te pose la question de savoir qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur lorsqu'on te dit que lorsque les gens disent d'un frère ou d'une sœur qu'il prêche très bien, qu'il préside très bien, qu'il est en train qu'il anime très bien son émission à la radio et à la télévision, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Et l'autre question que je te pose, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur lorsque tu apprends que tel frère ou telle sœur organise une campagne d'évangélisation ou a été élevé au rang de diacre, d'anciens ou de pasteurs? Voilà, ces deux tests-là, ces deux questions peuvent te permettre de savoir si tu es jaloux ou pas. Le troisième danger, c'est le choix d'être prophète de Dieu ou leader des hommes. Tu veux être celui qui parle de la part de Dieu, ou tu veux être celui dont la foule suit, celui qui cherche seulement à conduire les gens, celui qui dans son cœur trouve que lorsque beaucoup de gens me suivent, bon, je suis l'homme qu'il faut, je suis grand. Je crois que tout prédicateur dans le contexte biblique devrait être premièrement un prophète de Dieu, Nabi en hébreu, c'est-à-dire celui qui prêche ce que Dieu lui dit de prêcher sans en considérer les conséquences. La Bible elle-même est plus un livre prophétique qu'un livre de leader. Le prophète a un message qui dérange les consciences parce qu'il ne parle pas à l'intelligence ni au cerveau de l'homme, mais il parle au cœur de l'homme. Son message est souvent amer et il est détesté. Et nous voyons que même dans l'Ancien Testament, nous voyons les prophètes, comment ils étaient détestés parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Et tout ce qu'ils disaient ne plaisait pas au roi. Si tu es appelé prophète bien-aimé, tu dois t'attendre à des persécutions et cela est normal, car le ministère que Dieu t'a donné exige que tu puisses passer par certaines souffrances, parce que tout ce que tu diras ne plaira pas aux gens. Nous avons vu les Jérémie qui étaient incarcérés tout simplement parce qu'ils disaient la vérité. Cette vérité ne plaisait pas au roi. Alors, le leader, c'est un conducteur, c'est un porte-parole d'un mouvement aussi, d'un groupe de gens. Il conduit des gens derrière lui. Tu peux être leader chez toi à la maison, tu dirige tes enfants, tu peux être leader dans une école et tout ça, tu es directeur de l'école, tu peux être leader dans l'intercession, dans l'équipe de maman, etc. Donc tu es conducteur ou conductrice. Le leader est un homme ou une femme populaire. Mais un prédicateur possédant les qualités d'un leader peut parfois atteindre une position dans son église ou son organisation qui l'obligera à choisir entre la popularité du leader ou l'impopularité du prophète, dû au fait qu'il aime tellement Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes
qui sont devenus populaires, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, ils sont un peu différents des prophètes dans l'Ancien Testament, tout à fait différents. Alors, moi, je préfère que qu'il soit un prophète, c'est-à-dire quelqu'un, même s'il n'a pas une foule de gens derrière lui, mais qui dit des choses qui amènent les gens à changer, à faire grandir le royaume de Dieu au détriment du royaume des ténèbres. Alors, le quatrième danger du prédicateur, c'est la popularité. Frères et sœurs, fidèles membres de l'Église dénominationnelle, ne portons pas une admiration exagérée à nos conducteurs pour les élever au-dessus des autres, voire même au-dessus de Jésus-Christ, les stars des stars, l'homme le plus populaire. C'est vraiment, lorsque nous faisons cela, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Et si lui-même, le prédicateur, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, accepte d'être choyé, d'être admiré, il prouve à son tour son manque de maturité spirituelle et son esprit charnel, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 4 à 9, que nous n'allons pas lire. Cessez bien aimé d'être disciple d'un prédicateur, d'un tel pasteur, d'un tel apôtre, mais soyez plutôt et demeurez le disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas un mal pour un prédicateur d'être aimé par ceux qui l'enseignent, mais il y a toujours un danger de détourner la gloire qui revient à Dieu seul, sur son serviteur. C'est Dieu qui va, n'est-ce pas, glorifier son serviteur. Mais pas nous, les membres de l'Église, pas nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous permettre à glorifier les prédicateurs, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient apôtres, qu'ils soient prophète, parce qu'il prêche très bien, c'est une grâce de Dieu, il n'a rien donné. Donc glorifions celui qui lui a fait cette grâce, comme le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui mérite toute la gloire. Il faut plutôt, la Bible nous enseigne d'avoir beaucoup d'affection à nos conducteurs, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, parce que ce sont des personnes qui prient beaucoup pour nous. Les pasteurs, les conducteurs, tout ça, nous leur devons du respect, de l'admiration. Nous devons les honorer, voilà, parce qu'ils travaillent pour nos âmes. Mais le prédicateur qui aura la meilleure attitude sera celui qui saura diriger l'affection de ses disciples vers Jésus-Christ plutôt que vers lui-même. Il est tout à fait légitime que le prédicateur soit apprécié et qu'il reçoive des encouragements pour le travail qu'il est en train de faire, mais il faut qu'il refuse d'être idolâtré, mais plutôt poser symboliquement la couronne du succès sur le front de Jésus, car toute la gloire doit revenir à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Sachez que la popularité est un des plus grands dangers dans la vie chrétienne, car il conduit si facilement à l'orgueil spirituel qui mène l'homme à la perdition. La recherche de la popularité est un danger dont il faut absolument se garder, car le succès expose un homme à subir une certaine pression que les gens exercent sur lui, ce qui peut l'amener à utiliser des moyens charnels, mondains, même occultes, pour conserver sa popularité. Aujourd'hui, beaucoup de ministres de Dieu qui ont laissé le Saint-Esprit et qui sont tentés dans l'occultisme, parce qu'ils veulent garder leur popularité, alors que l'Esprit de Dieu n'est plus sur eux, parce qu'ils sont allés en dehors de la parole de Dieu, ils sont sortis de la parole de Dieu, la présence de Dieu n'est plus sur eux. Mais pour faire voir aux membres, aux fidèles de l'Église qu'il est toujours loin, alors il va, n'est-ce pas, se diriger vers l'occultisme. Tout ça pour garder la popularité. C'est Dieu qui nous rend populaire. Ne faisons aucun effort. C'est Jésus qui nous élève et c'est lui qui nous rendra populaire. Le cinquième danger, c'est l'infaillibilité. C'est-à-dire l'impossibilité de se tromper, même en matière de foi. Vous savez, lorsque le prédicateur devient trop populaire, il prie à la démonstration de la puissance de Dieu, il y arrive un moment où certains
de ses collègues peuvent lui faire des remarques qu'il ne va pas accepter. Oui. Il dit que tout ce qui sort de sa bouche, c'est Alléluia et Amen. Oui. Alors que c'est vrai, la parole de Dieu peut venir, mais si ta vie n'est pas sanctifiée, et quand cette parole sort, elle n'est plus la parole de Dieu, elle n'aura aucun effet sur les personnes qui vont écouter cette parole de Dieu. Le prédicateur doit être un homme de conviction, prêt à soutenir ce qu'il croit, mais cette attitude est bien différente de celle d'une personne qui se croit infaillible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper. Accepter de bonne grâce la possibilité de faire une erreur de jugement et s'en remettre au conseil de ses frères accroît l'influence d'un prédicateur au lieu de la diminuer. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu commets une erreur, sois humble pour accepter et chercher à se corriger. Je crois que c'est une bonne chose. Donc c'est la parole de Dieu qui est infaillible, mais nous les hommes sur cette terre, nous sommes faillibles. Nous pouvons aussi commettre des erreurs. Alors, le sixième danger, c'est le découragement. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a les hauts et les bas. Il y a des moments où Dieu vous bénit, il y a des moments où aussi vous endurez des souffrances, et vous passez par des épreuves, des moments difficiles. Il faut être vraiment assez réaliste pour accepter ce genre de problème qui vous arrive dans l'œuvre de Dieu. Mais que cela ne vous décourage point. Allez toujours de l'avant. Que le découragement, c'est l'œuvre du diable, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. N'acceptez pas le découragement en tant que prédicateur, quand bien même ce sentiment peut arriver dans votre ministère. Le septième danger, c'est l'attachement au bien matériel. L'argent est nécessaire, indispensable pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais pour le besoin nécessaire des ministres de Dieu, de nos pasteurs, de nos apôtres, de nos prédicateurs, de nos anciens qui nous enseignent la parole de Dieu, l'argent est nécessaire également pour les besoins de l'église locale. Sans argent, il est difficile d'aider les gens parce que l'église n'est pas là seulement pour des choses spirituelles, mais elle est également social, parce qu'on aide des gens qui sont en difficulté. Et c'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous devons demander à Dieu de nous bénir pour que l'œuvre de Dieu puisse bien marcher et pour que les ministres de Dieu ne soient pas aussi attristés qu'ils ne boudent pas. Nous, les fidèles, nous devons aussi nous devons également tenir compte, n'est-ce pas, de ce que les ministres de Dieu font dans l'œuvre de Dieu. Mais n'ayons pas peur de prêcher sur l'argent, mais n'élevons pas l'argent, sinon cela devient idolâtrie. J'ai vu des gens qui adoraient l'argent, les euros, les dollars, que les dollars viennent, que les dollars arrivent. Non. Nous devons élever Jésus-Christ et non pas l'argent. L'argent est là pour nous servir, mais l'argent ne peut pas devenir au niveau d'idolâtrie. C'est pourquoi la Bible dit ceci enseigne concerne l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 6, 9 à 10, l'argent ne vient pas du diable, ce n'est pas diabolique. Quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es riche, c'est une bonne chose. Mais cette richesse-là, tu dois partager avec les pauvres. Cette richesse-là, c'est pour glorifier ton Dieu qui t'a donné cet argent, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Personne ne peut dire que ça vient de ma propre force. La Bible dit, tout ce qui passe par nos mains vient de l'Éternel. Nous devons donc honorer et glorifier Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 6, 9 à 10. 1 Timothée chapitre 6, 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je ne prêche pas la doctrine de la pauvreté, non. Mais je dis que nous puissions avoir de l'argent
pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, pour que je ne sois pas mendiant, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Je ne dois pas en avoir aussi beaucoup. Si j'en ai beaucoup, c'est pour aider également les autres. Mais évitons l'amour de l'argent, parce que l'amour de l'argent, c'est ça qui peut nous entraîner dans le mal. Et si tu as l'amour de l'argent, tu vas arriver au niveau de manipuler même les membres de l'église. Parce que tu as toujours besoin d'argent. Ne manipulons pas les gens. Disons aux gens que nous avons besoin d'argent pour acheter des chaises, nous avons besoin d'argent pour organiser telle activité. Mais ne trompez pas les gens. N'utilisez pas le ruse pour avoir l'argent. Non, là, ce n'est pas bon. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 16, il dit ceci, c'est une parole qui doit nous exhorter. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, il y a des gens qui, après avoir prêché, ils vont plus en bongo. Et c'est plutôt une aux hommes, ça, on est des prédicateurs, on est des pasteurs. Donc, un ministre de Dieu doit compter sur Dieu. L'argent bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui le donne. Quand vous êtes sérieux dans l'œuvre de Dieu, vous prêchez aux gens la vérité. Vous leur demandez également de donner la dîme, de s'aimer. Vous leur dites ça, mais ce n'est pas une obligation. Vous leur enseignez la parole de Dieu, parce que le résultat, c'est pour leur propre bien. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pasteur, apôtre, même quand vous prêchez, vous voulez, n'est-ce pas, prier pour quelqu'un, n'exigez pas d'abord l'argent. Si la personne va faire une action de grâce, gloire à Dieu. Mais n'imposez pas, n'exigez pas l'argent. Et je vais vite. Aujourd'hui, beaucoup sont tentés dans l'occultisme parce qu'ils veulent devenir riches. Non, ce n'est pas une bonne évangile. Si nous prêchons l'évangile, c'est par nécessité. Huitième danger, la familiarité avec les sexes féminins. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu des gens comme David qui étaient tombés, qui étaient des gens selon le cœur de Dieu, tout simplement à cause des femmes. Donc, j'aime bien ma soeur, mais je ne dois pas me familiariser avec le sexe féminin. Je ne dois pas la toucher partout. Non, ce n'est pas ma femme. C'est ma soeur en Christ. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Vous, ministres de Dieu, vous, les prédicateurs. Vraiment, j'allais insister beaucoup sur ça. La familiarité, pour faire vraiment attention à nos soeurs qui ne sont pas nos ennemis. Mais il faut vraiment faire attention. Donc, éviter la familiarité avec les femmes. Alors, voici comment le prédicateur peut faire face à ces dangers. Il doit revêtir l'humilité. L'humilité précède la gloire. Deuxième solution, bénissez les prédicateurs que Dieu bénit. Troisième solution, dites à nos membres d'être fanatiques de Jésus-Christ. Élevons Jésus-Christ dans nos services et il nous glorifiera. Quatrième solution, le prédicateur doit être celui qui dévore la parole de Dieu, qui s'adonne à la prière et qui est rempli de l'onction de Dieu. Comme nous l'avait rappelé l'homme de Dieu, le pasteur Pajot, en Jésus-Christ, nous avons l'onction sacerdotale, en Jésus-Christ, nous avons l'onction prophétique, et en Jésus-Christ, nous avions l'onction royale. Nous qui sommes des fils de Dieu, nous sommes des gens privilégiés. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Merci beaucoup, ma soeur, pour cette opportunité que tu m'as donnée. Vraiment, je crois que les gens qui nous ont suivis, ont été également bénis. Soyez bénis et à nous revoir prochainement. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Prochainement, Dieu nous fera grâce. Et je vais terminer par dire merci à Papa Alain. Merci à toutes les personnes de cette émission qui vraiment ont fait que je puisse être là. Je n'ai rien donné, mais vous, il faut vraiment que nous puissions donner également des dons. Parce que c'est vraiment un service, un ministère que vous nous rendez et qui a besoin aussi d'argent. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Papa, qui a là une petite question avant de finir. Parlant de la familiarité, il n'y a pas que des frères qui ne vont pas se familiariser avec des sœurs. Il y a aussi des sœurs.
Ils doivent aussi faire attention avec les frères. Oui. Parce que quand c'est déjà un prédicateur ou c'est responsable de la chorale, donc tous ceux qui sont, entre guillemets, je peux dire en star, c'est le responsable de tel groupe. Ouais. Les sœurs sont aussi attentionnées, les sœurs sont aussi derrière pour un petit conseil aussi pour les sœurs. Comme ça, on équilibre un peu. Oui, les sœurs, vous devez surtout faire attention quand vous allez voir un homme de Dieu. Il faut d'abord prier. Oui. Il faut vraiment prier. N'allez pas pour... faites tomber l'homme de Dieu, il faut faire attention. Quand vous êtes aussi une femme, vous prêchez la parole de Dieu, vous ne devez pas aussi vous familiariser avec les hommes. Vous devez aussi faire attention dans tout cela. Je crois que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Okay. Je termine par là. Vous savez que que ce soit une femme ou un homme qui prêche la parole de Dieu, c'est un star qui prêche la parole de Dieu. Ouais. Que nous soyons des hommes, dangers des femmes, qui nous sommes vraiment exposés. Ça, c'est vraiment dangereux. C'est pourquoi nous devons être des hommes, des femmes et des prières. Ah, ok. Et merci beaucoup. Nous devons être des femmes et des hommes des prières. Dans toute l'équipe de EDR TV, il faut être des hommes et des femmes des prières. Donc, conseil, puis ça mène à Papa Richard, puis ça mène à Papa Alain, la papa Robert, la sœur Aline, sœur Priscilla, la Benvindo, la Arsienne. Et conseil, Pesami papa passé, qu'on devait être des frères et des sœurs. Au bas, au temps, on a encore. C'est bien, Pesami Pedangaï, mon copain. Ah, et Pesami Pedangaï, qui a là. Ben voilà, donc tout le monde a eu par Naé à conseil. En tout cas, merci beaucoup, papa. Je pense que nous arrivons vraiment à temps minuté, mais je crois que c'est vraiment des thèmes où il faut qu'on aborde. Vraiment, des prédicateurs, sa vie et les dangers qui les guettent, les dangers et les il faut vraiment qu'on ait un peu de temps. Nous avons Sunga. Parce que la première émission, vous avez dit, si vous êtes à Makambouya, bien été, vous êtes à Nabato, vous êtes bien été. Donc, vous êtes à Bato, vous êtes en malédiction. Mais quand toi-même, tu te conduis bien, et quand tu prêches, tu ne fais que transmettre ce que tu as. Donc, c'est vraiment très important. Nous allons terminer comme toujours par une prière et je remercie déjà toute l'équipe au Naouti qu'on citait tout à l'heure. Je bénis le peuple de Dieu aussi. Merci encore une fois plus pour vos conseils. Merci surtout Mingi Naba Critique Nabino. On va terminer avec la prière et on va suivre un morceau de chanson avec l'équipe de EDR TV. Nous te disons merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour mes bien-aimés qui se sont vraiment investis pour faire cette émission. Nous disons merci, cher Saint-Esprit, qui nous a convaincus de ces thèmes et qui a parlé dans le cœur des gens. Seigneur, nous te bénissons parce que lorsque tu nous parles, c'est parce que tu nous aimes. Tu manifestes ton amour. Un bon Père, c'est celui qui châtie. Yes. Seigneur Jésus, loin de moi de l'esprit de critiquer les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu. Mais j'ai plutôt le désir de le voir aller de l'avant et que l'œuvre de Dieu aille aussi de l'avant. Merci pour ce message. Merci, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Yeah.